C'est un des grands casse-têtes de la crise. Comment assurer la sécurité des éducateurs et le bien-être des enfants sans les étouffer sous les règlements et les interdits? Simplement en écoutant ce que dit la science, pense un millier de médecins signataires d'une pétition qui réclame un retour rapide à la normale pour les moins de 12 ans. Je pense qu'un enfant qui comprend tout, deux, trois mois dans sa vie, c'est rien. Un enfant de deux ans, trois ans, deux, trois mois dans leur vie, ça commence à être inquiétant, je trouve. Ce que dit la science, c'est que très peu de jeunes enfants sont infectés par la COVID, que les cas graves sont rares, la mortalité presque nulle et le risque de transmission est faible là, on a l'impression qu'on a le recul pour dire que, ça, que quand on pèse les bénéfices, bénéfices et, les, et les risques, on croit que c'est plus dommageable pour les enfants de moins de 12 ans de faire toutes ces mesures-là sur leur développement, les impacts psychologiques à moyen et long terme. Les médecins suggèrent donc d'éliminer la règle de distanciation, le port du masque, la désinfection des jouets et du matériel éducatif. Et ils demandent le retour des activités sportives. Dans le milieu des services de garde, la pétition a été bien reçue. Je partage l'inquiétude des pédiatres sur la, le fait que si ces mesures-là s'étirent dans le temps, il pourrait y avoir donc des impacts sur le développement des tout-petits. En milieu de garde, faut-il le rappeler, il n'y a eu que huit enfants infectés depuis un mois au Québec. On est ouvert aux assouplissements, euh, mais on pense qu'il faudrait avoir là, un mécanisme pour en discuter et réévaluer en continu, considérant que la situation est sans précédent. Dans le secteur de l'enseignement, la réponse est plus mitigée. On n'est pas surpris de voir cette sortie-là. Par contre, nous, ce qu'on va rechercher à travers ça, c'est l'équilibre entre le développement essentiel des enfants, mais aussi la sécurité. Du personnel et des familles. Bonne nouvelle, les enfants vont bien. Quant au directeur de la santé publique, il a semblé réagir positivement aux demandes des médecins. Les garderies, euh, les écoles qui ont été ouvertes à l'extérieur font que ça va bien. Ça va nous aider à changer probablement même nos normes par rapport à la rentrée scolaire de l'automne. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.